Voici Alexis Laurenti. Bonjour à tous. Salut. Et à chacun. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais vous parler de la galanterie. Ouais, super, waouh. On voit l'engouement là. Je passe. Non, parce que j'ai remarqué un truc récemment, c'est que quand les hommes sont galants, ils aiment bien le souligner. Oui. Par exemple, ils disent « Allez-y, madame, la galanterie ». Oui. C'est bizarre parce que quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu dis pas « Bonjour, la politesse ». Oui. Ou quand tu conduis, tu dis pas « Allez, avance, du con, l'irrespect ». Et je vous raconte ça parce que je l'ai entendu hier à la boulangerie et dans ma tête, je me suis dit « La galanterie, on devrait même plus entendre ça ». Sauf que juste après cette réflexion personnelle, je me suis dit « C'est quoi le problème avec la galanterie déjà ?» Et ça m'a troublé en fait. C'est comme si un moi un peu perplexe était sorti de son trou pour me dire « Vas-y, argumente ». C'est rare ce genre d'auto-mise à l'épreuve en fait. Généralement, quand tu dis une connerie du genre « Tu sais que plus tu mets de pastis dans ton eau, moins t'as mal au crâne le lendemain », personne ne se réveille à l'intérieur de toi pour te demander d'argumenter. Au contraire, dans ces moments-là, ton cerveau, il comprend que t'as besoin d'aide, il est solidaire, il dit « Bon, il commence à dire des conneries, on va faire réchauffer une cuisse de poulet, ça lui ferait du bien de manger un morceau, tu vois ». Bref, je crois que... J'étais pas sûr de celle-là. Ouais. Allez bien, vas-y. Je crois que justement, il devait y avoir une petite voix intérieure qui aurait dû dire relis. Ouais. T'aurais dû t'écouter. Laissez-moi finir, ça va être long sinon. Ouais, vas-y. Je crois que je me suis dit, la galanterie, on devrait plus entendre ça parce que je me souvenais qu'une femme avait critiqué la galanterie une fois sur un plateau télé et que je me t'ai dit, c'est vachement bien ce qu'elle dit là. Je vais retenir. Sauf que vous savez comment ça se passe, les courses, les enfants, les poils dans le bac de douche. On retient pas tout en fait ce qu'on voudrait. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais bosser un peu le sujet et je vais en parler sur France Inter. Ça peut intéresser des gens. Parce que spontanément, on se dit la galanterie, c'est cool, c'est le respect des femmes, tout ça. Mais en fait, il y a un petit côté pervers derrière. Fin de l'introduction. Ah merde, j'étais pas censé le lire ça. Alors là, vous allez me dire, mais la galanterie, c'est quoi au juste? Et très bonne question, messieurs, dames. Okay. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la galanterie est apparue vers le XIIe siècle. Et au début, c'était un ensemble d'attentions que les hommes portaient aux femmes pour les protéger. Parce que socialement, le rôle des femmes, c'est de garantir les naissances. Et plus un village était peuplé, plus ils pouvaient se défendre. Alors à l'époque, la pensée dominante, c'était les femmes sont fragiles et dépendantes, elles ont besoin des hommes pour ouvrir les portes, tout ça, tout ça. Mais il faut dire qu'au XIIe siècle, les portes, c'était du bois massif. Genre du chêne, quoi, bien lourd. Alors mais forcément, maintenant, c'est de l'aglo ou du sapin. Tu vois, les femmes, elles n'ont plus besoin des hommes pour les ouvrir. Et c'est cette histoire de portes en bois massif et de portes en aggloméré que j'avais oublié en regardant l'émission, en fait. Après, la porte, c'est un exemple. La galanterie, c'est pas que ça. Et je dis pas non plus qu'il faut pas tenir la porte. C'est juste que, d'après ce que j'ai compris, faut la tenir à la fois aux hommes et aux femmes. Juste pour courtoisie ou par précaution. Parce que ça fait mal de prendre une porte en pleine tête, qu'on soit un homme ou une femme, en fait. Mm-hmm. Et même si c'est de l'aglo. Après, la galanterie a évolué. Autour du 12e, 17e siècle, la galanterie, c'est devenu une espèce de code de drague entre les hommes et les femmes. Il fait peur, ce mec. C'est parce qu'à cette époque... Non, mais écoutez, je fais mon prof d'histoire, je suis content, là. Ouais, vas-y. Je vis un truc... Parce qu'à cette époque, c'était aux hommes de faire le premier pas. Et au début, la femme répondait systématiquement non. Elle disait, je suis pas intéressée. Même si dans sa tête, elle se disait, Gontran, il est quand même beau gosse. Elle disait non, pour préserver sa vertu. Donc l'homme, il faisait quoi? Eh bien, il insistait pour obtenir un oui. Il faisait des cadeaux, des promesses, tout ça, jusqu'à ce que la femme soit convaincue qu'il était sincère et qu'elle dise oui. Et ça, c'est le deuxième point que je n'avais pas retenu. C'est que si la femme disait non, Gontran, il insistait quand même en se disant « elle finira bien par dire oui ». Et ça, c'est pas bien. C'est pour ça que la galanterie est remise en question aujourd'hui. C'est comme la chasse. À l'époque de la préhistoire, personne ne se demandait si c'était bien ou mal de tuer des animaux dans la forêt. Les gens étaient chasseurs-cueilleurs, donc le menu, c'était soit brochette de bison, soit fraise des bois. Personne ne disait « oh là là, faut vraiment qu'on mange moins de viande ». Bon, voilà ce que je voulais dire au sujet de la galanterie. Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, souvenez-vous que je m'appelle Guillermo Guise. Et tapez « galanterie plus problème » sur Internet, vous trouverez plein d'articles intéressants sur le sujet. Allez, salut. Merci Alexis Le Rossier. La bande originale. Et Alexis est toujours...